horoscope affirme ici que mon entourage m'empêche de mener la vie à laquelle j'aspire. Ça, c'est vrai. Cela peut provoquer à terme de menues tensions avec mon entourage. Santé, surveillez votre peau, prémunissez-la des attaques de l'âge. Oh, mais j'ai à peine 310 ans. Oh, du calme, Cordy. Cela dit, avec votre Mars dans votre Vénus, préparez-vous à faire bientôt une rencontre magnifique. Eh, cette belle rencontre, ça pourrait pas être un déménageur. Même pour un déménageur, il est vraiment très très laid. Tu as vu? Non mais j'hallucine! Là sur le camion, c'est Madame Zelza! Elle est la plus fabuleuse de toutes les astrologues du monde! Toute cette horoscopologie, pure falaise. Un mélange de science, superstition, l'autosportif. C'est un genre de langage codé utilisé entre humains pour déterminer qui paie le restaurant au moment de la saison des amours. Ethno, tout ce que tu sais sur l'amour, tu l'as appris en regardant des documentaires sur la reproduction des blattes. Et si Madame Zelza me prédisait un beau mariage d'amour? Personnellement, je demanderais bien la main de cet aspirateur. Il n'y a donc personne ici qui s'intéresse un tant soit peu à mon beau mariage. Allez, il se ressaisit notre petit cœur d'artichaut. Tu veux qu'on aille demander à cette incroyablement génialissime Madame Zazie ce qu'elle pense de ta destinée amoureuse? Vraiment? Entrez, mes enfants, je vous attendais. Wow, elle est géniale. Bonjour, Madame Zelza, je vous trouve géniale, mais vous êtes déjà sur mon courant. Et d'ailleurs, je pense qu'il est inutile de vous expliquer pourquoi nous sommes là, vu que vous l'avez déjà lu dans les étoiles. Alors dites-moi juste, c'est quel jour mon bon mariage d'amour? Que je puisse commander la pièce montée des choristes, j'aimerais qu'elle soit. Nous allons lire les tarots. Moi, je connais un tour. Choisissez une carte. Prends ces cartes à la grande Zelza. Tenez, Madame Zelza. Désolée. Tout petit déjà, il a été irradié dans son berceau. Un océan et au milieu une petite terre et un long, long voyage. Je vois des plateaux repas périmés et des toilettes bouchées. Mais je le vois, il arrive, oui, l'amour avec un grand A. Ça vous fera 900 euros. Hé, Miss Alabazam, tu vois une pizza au thon dans mon futur proche? Non, mais t'as quoi à la place du cerveau? On me parle d'amour avec un grand A et toi tu parles de pizza avec du thon! Écoute-moi bien, petite tête d'artichaut! Je suis sorti avec des pizzas au thon qui étaient beaucoup plus sexy que toi! Et moi au moins je prétends pas trouver l'amour dans une heure! Oh non! Gorgeous a brisé notre avenir! Faut pas t'en faire. De toute façon, on surestime beaucoup l'avenir. Ah! Je vois la malédiction des 10 000 morts vivants aux 100 000 dents pourries. Malédiction? Oui! Je vois que de terribles malheurs vont s'abattre sur chacun de vous et vous compliquer l'existence. À moins, bien sûr, que vous ne payiez ma formule de démalédiction express à 5 000 euros, toutes taxes comprises. Ceci n'est qu'une grossière manipulation qui, sous couvert de je ne sais quelle pseudo-science vaudou, a pour seul but de remplir vos poches. Voilà le sort. Vos nuits seront hantées par le clip-clap horripilant des 2 000 tongs en bois. Ça sera votre cauchemar jusqu'à la fin des temps. 2 000 tongs en bois. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre de nos jours?
à la malédiction des 2000 chaussures. Et dire que j'ai presque failli me laisser embobiner. Non, mais j'y crois pas. Mon aspirateur est en panne. Oh non, c'est pas vrai. Serait-ce la malédiction? Je me sens tout ballonné. La malédiction. Yeah, ils ont supprimé mon show. Les gendarmes mettent en string. Je suis maudit. Yeah. Pourriez-vous vous calmer un peu? Vous faites fuir les blattes sur lesquelles j'effectue de passionnantes observations. Et non, Zelda, la malédiction. Mon aspirateur est malade et Gorgeous est sur le point d'exploser. Et le show de mode a mystérieusement disparu. Oh, ouais, oh, mes amis. Candy, le sac doit être plein. Gorgeous, tu t'es encore en pifré d'huître fourré au chocolat. Et toi, Bud, ton show était juste trop nul. Oui, il n'y a là pas une once de magie. Je ferais bien de réparer la fusée avant que ces trois-là ne deviennent raides cinglés. Hey, dites-moi, vous comptez aller où? Hey, Gendarmes en string est une série trop cool. Un quart de la population alien de la Terre ne peut pas avoir tort. Devant l'absurde, je ne peux que m'incliner. Allez-y, entrez. Faites-vous plumer. Ouais, on y va, j'ai une fusée à terminer. Je vous libère de la malédiction des 2000 vieilles paires de tongs en bois puantes. Et en cadeau, tous vos souhaits et vos désirs seront désormais exaucés. Ça vous fera 5000 chacun en liquide. Compte à rebours. On embarque, la fusée est réparée. Mise à feu dans 10 minutes et go! On ne peut pas partir maintenant, Ethno. Je dois passer une audition pour entrer dans le ballet de l'Opéra de Paris, le vrai en France. Ouais, et moi je suis inscrit au concours du plus gros mangeur de hot dog au chocolat. Moi je dois gagner à la loterie et acheter une voiture de sport et prendre une contravention par les gendarmes en string. Mais tu sais, Ethno, tu seras encore notre ami quand on sera devenu riche et célèbre. Vous vous comportez chaque jour un peu plus comme ces affreux humains. Et ça, c'est la faute des pitres rivaux que cette grosse baleine vous enfonce dans le crâne. Vous allez faire une poussée de croissance tardive et devenir grand, fort et bas. Ça vous fait 1000 euros. Au suivant. Mesdames, messieurs, Madame Zetnoli, votre avenir.com est maintenant à votre service. Un petit conseil, Ethno, mets du rouge à lèvres. La première séance est gratuite. Oh, il est incroyable, il est stupéfiant. Willy, chili, bini. Qu'à présent l'avenir affleure depuis le fond des profondeurs. Je vois un poisson et un chat bleu. Oui, c'est ça. Il y aura du poisson chat pané ce soir chez vous. C'est un prophète. Hé, hey, la queue. Ah bah les tricheurs. Mais où te crois-tu ici? Je vois un très long voyage dans une contrée fort lointaine. Tu l'as pas vu venir, celle-là, mon gars. Vous n'êtes guère sensible aux vertus de la concurrence. Dis-moi juste combien tu veux pour partir exercer ton art loin d'ici. Je ne veux pas d'argent. Oh, je sais. Tu veux mes 3 meilleurs pigeons. Oh, je veux dire clients. Ils sont tellement crédules que quand je les vois, je dois me retenir d'éclater de rire. Ah, oh, 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 mes beaux amis tahitiens. Je disais justement à monsieur à quel point je vous aimais. Mais on n'est pas tahitiens.
reine. Tu l'as pas vu venir, celle-là, ma grosse. Moi, si. Maintenant, tu vas les voir de près, nos lignes de la main. Candy! Candy, non! Si! Eh bien, le bonjour au trou noir de notre part, Miss Zozo! Vous venez de lancer notre fusée, celle qui devait nous ramener chez nous! Si je rentre un jour chez nous, ce sera au volant de ma voiture de sport rouge et pleine. Diffuse à nouveau les gendarmes d'Austrie. J'ai prédit qu'elle allait faire un très long voyage et la voilà partie pour une croisière de 32 ans au-delà de Mars. Dites donc, et si au bout du compte, j'avais vraiment un don de voyance? C'est certainement la crème de jour raffermissante aux extraits de foie de porc que j'ai commandé sur Internet hier. Oh, c'est gentil d'être allé chercher mon paquet, Candy. Sous cet emballage apparemment anodin se trouve la solution à tous nos problèmes, mes amis. Le catalogue Fusea 2000. Oh. Tiens, la fusée-là, Caracho, fabriquée aux Orghistan à partir de la technologie soviétique des années 60, est en vente à partir de 112 euros seulement. Et voilà, c'est pas plus difficile que ça. Super, sauf que tu oublies un détail. On n'a pas un radis. C'est vrai. J'ai négligé ce paramètre. Zébra, quelle est donc cette horde chevelue qui débarque ici? Ok les gars, il s'agit d'être prêts pour la grande finale des finales. On a une semaine pour s'entraîner, alors on commence vite fait par un échauffement collectif. Oh non, un joueur blessé. On est foutus. Calme boss, prenez cette barre énergétique aux extraits de foie de porc et dites-vous que c'est pas si grave. Avec les fortunes dont dispose notre équipe, on peut acheter n'importe quel joueur. Et fin de tous nos problèmes. Involontaire? Désolé, j'ai un rendez-vous avec une lasagne saucisse patate. Et ce pauvre Candy doit s'occuper du ménage. Hein? Et moi aussi, j'ai un truc. J'ai un truc important. C'est un truc que je dois... que j'ai... Oh, Bud, je savais que je pouvais compter sur toi. Voilà. Voyons voir ce que t'as dans les tripes, mon gars. Il simule, c'est évident, c'est de l'anti-jeu. Bon, t'es engagé, mais il nous manque quand même toujours un joueur. Hey, tout cool, les gars. Je connais le champion dont vous avez besoin. Amène-le nous qu'on le sait. C'est ça que j'aime chez Bud, sa présence d'esprit. Percy Gorgeous! Tu répètes, je suis pas sûr d'avoir bien entendu. Quel géant! Tu vas nous montrer ce que tu vaux. On a un contrat face à Roger. Ouh, on joue à la babelle avec Nounou, on s'en fait plus. T'es qui? Toi. Ton cauchemar.
Allez, allez, on se dégonfle. Viens chercher la baballe, elle attend que toi. Wouhou, allez, t'attends que la nuit tombe. Et prends ça dans ta tronche et face de rat. Dis-moi le nouveau là, t'as un joueur en robe? Mais je ne veux pas faire de sport, je déteste le sport. Le sport ça fait mal à mes muscles. Oh, rien qu'à l'idée de devoir prendre des douches collectives. Quoique, faut voir. Allez Coco, donne tout ce que t'as. Oh, oh, mais c'est une très belle matière, ça respire. Oh oui, et même lavé en machine à 60 degrés, c'est indéformable. Ah oui, c'est tout à fait dingue ça. Oui, c'est un petit peu fou. Mais sans vous offenser, je peux faire une petite remarque. Mais oui, dites. Eh bien, la texture du sol ne va pas du tout avec votre ravissante tenue. Et là. Oh, mais quelle faute de goût! On va arranger ça, nous deux. Une bonne couche de cire d'oreille et ce plancher grossier est devenu un superbe parquet prêt à accueillir un concours de tango argentin. Oh, oh mais c'est absolument exquis. Et quelle classe, vous êtes très doué. Hey, Mick, amène-toi pour essayer le nouveau parquet. Hey, sur un parquet comme ça, on joue avec des patins, mon gars. C'est le règlement, exécution. Quand on joue à ce niveau, on est censé garder le contrôle à tout moment, oui ou non? Et ramasser les dents qui roulent là-bas, et le plombage aussi, sont en train de rayer mon parquet. Oh Zibra, je crains que ce soit mon tour. Enfin, grâce à mon injecteur de connaissances dans le cerveau, je vais apprendre tout ce qu'il faut savoir sur le basketball en un éclair. Allons-y pour la puissance maximale. Et donc, d'après vous, ce type est une pointure en basket? Si vous en doutez, c'est que vous êtes un bien piètre professionnel. D'accord. On va voir si t'es capable de marquer un panier face à Jean-Mimi, mon meilleur défenseur. Ok, combinaison bleue. Hop, 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 hop. Hey, 2 points. Au moins, c'est un joueur qui s'engage à fond. Suivant. Suivant, mais on connaît pas d'autres joueurs. Et voilà, c'est là que je craque. On est foutus. Jamais on ne jouera cette finale. Zibra, Zou, nous n'arriverons donc jamais à rentrer chez nous. Je ne vois qu'une chose pour nous sauver à présent, un miracle. J'appuie sur la pédale de droite d'aller faire traverser le plancher. Ça, c'est l'accélérateur, bougre d'idiot. Miracle! On était venu pour vous ramener à la maison. Mais avant, on doit faire une petite révision de la soucoupe. Plus tard, mes amis. Elle est presque dans la poche. Mais nos adversaires ne sont pas des rigolos. Ces types-là jouent comme des extraterrestres. Les gars, soyez vous-même et vous allez en faire qu'une bouchée. Allez! On pourrait peut-être demander à temps mort. Temps mort. Les passe ici.
jouer. Je l'ai. Tu serais pas foutu d'intercepter un canari. Et toi, l'idée d'aller au contact, tu fais dans ta culotte et t'as les bras tout mous. Alors, qui s'occupe de moi? Snoogie. Je l'ai. Bon, assez, les leaders. Maintenant, on les écrase, ces fous-là. Go! Passe. Elle est tombe! C'est ça que vous cherchez? Sauf qu'il est pour moi. Normalement, le match était truqué. Vous suivez? Vous perdiez, la mafia encaissée. J'ai besoin de cet argent pour aller me mettre à l'ombre quelque part au soleil. Parce que la mafia, elle aime plutôt pas qu'on lui fasse un enfant dans le dos. Hé, t'as sûrement besoin de quelqu'un pour porter tes valises? Dès le premier coup d'œil, j'ai su que ce type s'était une fille fait crapule. Ah, comme moi. Mais je sais pas pourquoi les voyous m'attirent. Tu penses que ça va durer encore longtemps? J'y suis presque. Donnez-moi 5 minutes. C'est ce que tu nous as dit il y a exactement 3 heures et 5 minutes. Appelle-moi que c'est prêt. Après vous. Non, après vous. Allez, fais pas de chichi, vas-y. Là, j'avons la beauté. On a 12 secondes d'écart. Oh, j'ai localisé le problème. Je connecte. On a 17 secondes d'écart. 12. Réparé. Tenez-vous bien, mes camarades, et devinez qui vient d'accomplir un véritable exploit. Votre ethno qui, après avoir terrassé les mystères de l'attraction terrestre, percé les secrets de la propulsion subatomique et résolu d'inquantifiables équations quantiques, est parvenu à ce résultat. Ma nouvelle soucoupe est prête, nous rentrons à la maison. Votre silence flatte ma modestie. Restez assis, je m'occupe de tout. L'émotion vous paralyse, c'est tout à fait normal. Je vous présente mon nouveau modèle, Superstar 2329. Vous trouvez qu'il ressemble à un éléphant, n'est-ce pas, exprès? C'est pour passer inaperçu avant le décollage. Les propulseurs sont dans les genoux, le poste de pilotage au sommet. Voici quelques consignes de sécurité. En cas d'atterrissage forcé, les issues de secours se trouvent de chaque côté de l'appareil. N'actionnez les gilets de sauvetage que vous trouverez sous vos sièges que sur invitation de l'équipage si, au moment de la catastrophe, celui-ci est encore présent à bord. Waouh, je trouve ce vaisseau assez... comment dire... C'est donc carrément efféminé, je crois que ça colle. Nous avons une fenêtre de tir avec une météo favorable dans 11 minutes et 15 secondes. Alors, préparez vos valises. Super! Un nouveau locataire et en plus il a l'air pas commode. T'as vu ses pantalons? Il doit avoir des cuisses énormes. Et le point rouge sur le front, c'est la même veilleuse comme sur ma télé? C'est pas tout, on a un éléphant à prendre. T'as de beaux yeux, toi, tu sais.
joue la lune dans son sari. Jamais n'aura vu si grand amour. Fait nos bagages et j'ai fait l'état des lieux. Nous sommes prêts à quitter cette planète pour ne plus jamais y revenir. Et aurais-tu l'amabilité de venir piloter ton formidable vaisseau? Oh, Ethno, pas partir déjà. Il reste encore Ethno. Mes hommages. Je m'appelle Marc, je suis journaliste vedette à Royalty Magazine. Je passe mon temps à parcourir la région en quête de belles princesses à interviewer. Oh, quelle heureuse coïncidence, car je suis moi-même la princesse Zibouya de Bombay. Votre beauté est digne des plus nobles reines. Et ce jour est un jour béni. Si vous daignez m'accorder un petit entretien, nos 700 millions de lecteurs auraient la joie de partager quelques instants le quotidien d'une princesse et vous feriez de moi le plus heureux des hommes. Oui, entrez donc boire un verre. Nous, on doit décoller. T'attends quoi pour nous rejoindre? Je te rappelle qu'on a une fenêtre de tir super serrée. C'est vraiment pas le moment. Ouch. Vous savez, la vie d'une princesse n'est pas si extraordinaire. On se lève le matin quand on est réveillé. On n'enfile que deux pantoufles, comme tout à chacun. Rien de bien original. Les manoirs, les yachts, on se prépare tout l'après-midi pour la soirée de gala. Il y a quelque chose en particulier que vous aimeriez savoir? Eh bien, pour commencer, dites-moi ce qui a amené une créature céleste comme vous à venir s'installer parmi nous autres mortels. Je me suis enfouie. Enfin, je veux dire, j'ai fui pour oublier. J'étais amoureuse d'un prince et nous devions nous marier. Mais il est descendu à l'épicerie un jour car nous n'avions plus de riz. Et depuis, plus rien. Rien. Et j'attends toujours après mon riz. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'Ethno est tombé amoureux d'un être humain? Ce serait pas interdit par la loi. Oh, mais il n'y a aucune loi en amour. Oh, l'amour est un délicieux frisson qui fait friser tes orteils et qui te fait respirer comme un buffle. Ta cervelle est tétanisée, tu n'arrives plus à penser et tous ces mauvais feuilletons à l'eau de rose te nouent l'estomac et tu as mal au ventre. L'amour fige à ce rire béat sur ton visage et ton cœur se sent à l'étroit dans sa cage. Et tu transpires à grosses gouttes sans parvenir à te contrôler quand l'être aimé s'approche de toi. Mais lorsque ton amour s'éloigne, tu te sens comme un naufragé à la dérive. Et alors une chaussette oubliée ou l'ombre d'un parfum te rappelle sa présence. Et te voilà soudain submergé de bonheur, ivre de joie. L'amour, c'est comme si tu courais nu dans la steppe, sur un cheval lancé au galop. L'amour, c'est beau, c'est grand, c'est généreux, c'est merveilleux. C'est la vie, c'est si doux. Et si l'amour était une ville, mais oui, ça serait... Quelles sont mes passions? Oh, eh bien d'abord j'adore chanter depuis que je suis toute petite. Chanter m'aide à supporter les problèmes de ma vie. Mais j'ai aussi une autre passion secrète. Un truc qui me chamboule complètement. Les aliens. Je rêve de voir un alien ou encore mieux d'en rencontrer un. Et je sais qu'ils viendront un jour jusqu'à nous. Écoutez, princesse, ce rêve vous semblait fou. Eh bien, oh, splendeur de l'Orient, il est exaucé, car je suis un extraterrestre et cet alien vous aime à la folie. Monsieur Marc, n'essayez pas de me faire gober n'importe quoi. Vous n'êtes pas un alien, oh non, je connais les aliens. Les aliens ont des tentacules et les pas des moustaches. Seulement certains. Zibouya! Pas une autre chanson. Vous n'avez pas de tentacules, vous, un alien, c'est ridicule. Ouvrez donc votre soucoupe, vous, un alien, quelle scoupe, je ris. Vous avez trop d'animaux, des trous du nez au bout des mains. Je vous connaîtrai d'autres races du fin fond de l'espace. J'ai un très gros vaisseau, voulez-vous faire un saut? Je vous offre la voie lactée en produit de beauté. Je vous offre la lune,
les anneaux de Saturne. Venez, princesse, je vous emmène vers les cieux des aliens. Quand je pense à tout ce qu'on fait pour qu'on ne sache pas qui nous sommes, nous devons aller tirer Ethno des pattes de cette créature, sinon tout ça va se terminer très mal. Soyez pas cruel, mon cœur titille chancelle. Dans l'espace intergalactique, princesse, vous êtes unique. Si vous ne me croyez pas, embarquez avec moi sur le vaisseau de la passion, j'ai toutes les options. Oui? Salut! Dis, poupée, ce serait pas chez toi par hasard qu'aurait échoué mon Jules? Écoute, ma belle, tu le sais peut-être pas, mais je suis du genre jalouse, alors tu me le rends et tout de suite! Un peu, et même qu'on est jalouse, tous les trois! Venez, dès qu'elle tourne le dos, j'en fais mon affaire. On a un pont, mais on n'a pas de bol, on va se tomber. J'attends mon prince, mes chers mamans, lèvres sur son éléphant. Votre prince est devant vous, sentez la comina et l'amour fou. Dans ses bras, il tiendra serré, ce sera Broadway, ce sera Bombay. Ce sera l'amour le plus fort, l'amour en technicolor. Bah, faut-tu bien, tu... Ethno, non mais tu veux finir dans une éprouvette ou quoi? Tu ne te rends pas compte que s'ils nous attrapent, ils vont nous disséquer en nous griffant avec leurs ongles? Oh, Candy, je me sens rajeunir à vue d'œil. Quel bonheur d'être amoureux du plus magnifique spécimen de mammifère qui soit dans ce monde. Je brûle de courir avec elle au soleil couchant, au bord des océans sulfuriques de notre planète. On est foutus, les gars. Si jeune est déjà prêt à s'engager. Zibouya! J'ai une surprise pour vous. Zibouya! 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 Oh, c'est bien les aliens que vous aimez! On est bon pour la table de dissection, les gars! Non, on joue notre dernière carte, on l'abandonne et on se débrouille pour faire démarrer le vaisseau! Vous voyez, ma pauvre Violette se décolle! C'est celle d'un alien! Zibouya, amour de ma vie, tu es là. Oh, mais quand je t'ai retrouvé, tu m'as apporté le rime. Mon éléphant est tombé en panne, mais à présent nous voilà réunis, ma princesse. Mon amour. Ma Zibouyette. Non mais, pourquoi il y a deux vaisseaux maintenant? Pardon vite, ma princesse, je me suis garé en double fil. Et comme nous avons du riz à jeter, nous pouvons enfin nous marier. Où irons-nous en voyage de noces? Avec toi, j'irai jusque dans les étoiles. Zibouya! Mon ami! Et nous, le pilote commande, secours! Ressaisis-toi, Ethno. Après tout, ce n'était jamais que l'amour de ta vie. Et puis vois le bon côté. Un amour de sa vie perdue, ça fait au moins trois copains de sa vie qui reviennent. Oui, vous avez raison. Cette histoire était une impasse. Ah, je me sens déjà mieux. Merci, les gars. Ouais, tu pouvais rêver de quoi au mieux? De passer toute ta vie avec une fille aussi super belle que super intelligente? Si tu passais le rêve de ta vie sans plus jamais ouvrir la bouche. Je suis l'inspecteur Debrick de la police nationale. Vous êtes en état d'arrestation. Ne tentez pas de vous échapper. Nous possédons des voitures rapides pour vous rattraper. Si on veut, pas si vite. J'ai pas fini.
Ethno, change de canal tout de suite. C'est l'heure de Space Cruiser, la meilleure série de science-fiction du monde. D'abord, je ne qualifierais pas ce programme d'une affligeante débilité que tu adores de science-fiction, mais de soupe intergalactique. Et de plus, nous avons tous, d'un commun accord, accepté de fonctionner démocratiquement. Les décisions importantes font l'objet d'un vote. Donc... J'aime ce job, Ingrid. Oui, j'aime découvrir de nouvelles planètes et m'enrichir au contact de nouvelles formes de vie ayant chacune développé sa propre civilisation. Oui, j'aime aller vers eux. Et j'aime les capturer et les revendre à des zoos. Et bien congelés, ils seront plus faciles à transporter. Pourquoi la télé s'est éteinte? Les plans ont dû sauter. Je descends à la cave. On joue à quoi? Eh ben, on pourrait jouer à... Ah, Gorgeous! C'était toi ou c'était Gorgeous, Bud? Nous y voilà. Quoi? Tu n'as aucune raison d'avoir peur de cette cave sombre et humide infestée de cafards mutants prêts à bondir sur la moindre proie qui relâcherait à l'instant son attention et qui... Wow, quelle chute! J'ai dû me casser le nez. Ingrid, ça va? Ça va, Sergueï. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons dû avoir un problème de téléportation. Allô, la base centrale, ici le capitaine Sergueï et son équipage. Allô, répondez-nous, nous avons un problème. Oh, nous n'avons pas de réseau ici. Tu as payé ta facture avant de partir? Très bien. Allons voir s'il y a de la vie dans le coin, d'accord? Et si on en trouve? Direction le zoo! Dites-moi, mais je vous connais tous les deux. Vous êtes les stars de cette série de science-fiction très médiocre. Mais es-tu un alien? Oui, mais pour reprendre votre propre formule, je viens en paix. Mais nous aussi. Hé, hey, c'est pas juste. C'était à mon tour de congeler une forme de vie inférieure. Tu as congelé le dernier. Ah ouais, c'est qui a déshydraté l'homme champignon de la planète Gorg pendant que j'étais au petit coin? Et avant, tu avais cryogénisé deux langoustiniens de Malix la Grosse avec mon cube, je te signale. Oh oh, la chasse aux fugitifs est ouverte. Cette fois, c'est à moi de commencer. Et le repassage est terminé. Oh, si maman me voyait, elle serait si fière. Oh. Regarde, un organisme unicellulaire, probablement télépathe. Vous savez qu'on joue pas avec le SMTV, les gars. Fais-nous un beau sourire beauté qu'on le conserve dans la glace. Et la championne, c'est encore de ma faute, peut-être. Ah, au secours, Ethno! Bud et Gorgeous sont devenus dingues! Ah, ils ont fabriqué des machines à congeler les petites culottes! Ingrid, tu m'as bousculé! Si je l'avais fait, tu l'aurais peut-être eu, Sergueï. Ah, je le ferai plus, c'est juré! Ça alors, ce sont les héros de ma série préférée, Sergueï et Ingrid, les Space Cruisers. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous? Eh bien, il y a une explication logique. Tes héros ont subi ce que Von Kluck appelle le syndrome ondulatoire à effet d'inversion bidimensionnel de l'interférence fiction-réalité, en milieu plasmatique avec principe d'incertitude causale et temporalité aléatoire. Merci, Ethno, c'est beaucoup plus clair. Oh non! Mais ça veut dire que... Les prochaines victimes de mes héros préférés, Ingrid et Sergueï Space Cruiser, c'est nous!
J'ai une idée, Gorgeous. Est-ce que tu as encore de la confiture de limace? Cette vieille ruse de scénario de série B est tout à fait à la hauteur de la situation. Maintenant, il ne nous manque plus qu'un appât. C'est pas juste, je suis pas d'accord. Bravo, Crandy. C'est ce qu'on appelle avoir l'esprit d'équipe. J'espère que c'est pas trop serré pour vous, mademoiselle Jeanne d'Arc. N'aie pas peur, Crandy. On reste tous avec toi derrière la porte fermée. Juste hors de portée des pulvérisateurs à glaçons. Non, mais regardez-moi ça, une belle brochette d'alien tout frais. Ah, n'ayez pas peur, je suis venu en paix. J'ai déjà entendu ça quelque part. Allez, petit, fais une belle risette. Café! Je vous jure que l'idée n'était pas de moi. Edith, vous me signerez quand même un autographe. Edith, oui. Comment ça, nous sommes les personnages d'une série B de science-fiction? Cela peut vous paraître étrange, mais vous n'êtes pas vraiment vrai. Vous êtes des personnages fictifs qui n'existaient que dans le cadre d'un programme de télévision, d'ailleurs, plutôt médiocre. Vous êtes des aliens particulièrement tordus. Ils ont, hélas, un QI adapté à la télé. Voyez-vous, nous étions en train de suivre l'une de vos incroyables et redondantes aventures quand un orage d'une magnitude énorme a éclaté et la foudre a créé une sorte de porte-à-ondes interprogrammatique avec brouillage cosmo-fictionnel. Ne me regarde pas dans les yeux, c'est une technique d'hypnose. Ce cube n'est pas une véritable arme, c'est un accessoire à effets spéciaux. Et il le pointe sur lui, le pauvre. Vous voyez, tout ceci n'est qu'illusion et jouet pour les grands. Donne-le-moi. Moi aussi, j'ai envie de jouer. Laissez-moi essayer. Maintenant, si cette scène faisait partie d'un scénario de votre série, vous auriez été blessé, mais pas trop, car vous êtes les héros. Voyez-vous, vous vivez dans un monde créé de toutes pièces par les gens dont c'est le métier. Les auteurs, les réalisateurs, les monteurs s'affairent jour et nuit pour donner à votre vie l'apparence de la réalité. En conclusion, plus vite j'aurai construit une machine pour vous rendre à votre monde, plus vite vous cesserez d'être bombardé de vrais glaçons par mes facétieux collègues. Space Cruiser, Space Cruiser, les malheureux soldats envoyés de la Terre. Space Cruiser, Space Cruiser, prêt pour le combat écumant l'univers. Space. Oh. J'étais en train de rêver de goulash. C'est quoi ce cirque? C'est plus fort que nous, c'est comme ça que commence chacune de nos aventures. C'est vrai, ils ont été génétiquement programmés par leurs producteurs pour toujours agir de la même façon. Ah! J'ai envie de ce croissant, mais je n'y arrive pas. C'est parce que votre scénariste n'a pas prévu de vous faire manger les croissants. Toi et moi, on n'a pas le même scénariste. Je rappelle que c'est le jour où je m'épile les aisselles. La salle de bain m'est réservée. Ce n'est rien, ressaisissez-vous. Les scénaristes n'ont pas imaginé que vous pourriez avoir envie de porter autre chose que ce color hideux du matin jusqu'au soir, été comme hiver. Ils vous enverront peut-être bientôt écumer la planète shopping. Notre univers me manque. À moi aussi. À moi aussi. Un orage magnétique de magnitude 9 se prépare. Tout le monde sur le pont. Si mon télé-TV-porteur fonctionne, vous serez bientôt réexpédié dans la télé. Oui, et ben c'est pas trop tôt. Prêt pour captation puissance maximum? Ouais, je m'y prête.
attention, j'envoie 80 000 volts, alors ça va chatouiller un peu, ok? Oups, aurions-nous échoué? Vous êtes en état d'arrestation et vous avez le droit de rester silencieux et de faire appel à vous. Et aux autres, yeah! Créneau en braille, moins 20 points. Un arrêt au feu rouge, je prends note. Le feu est rouge. Bravo, vous venez de griller un feu rouge en beauté. Et 46 points de moins. Mais je croyais qu'il fallait pas. Là. Non, un panneau de stationnement interdit et 12 points de moins. Très bien, tout ça nous fait moins 2032 points. Ce qui signifie, mademoiselle, qu'une fois de plus, je ne vous donne pas votre permis de conduire. Mais je me vois également dans l'obligation de vous confisquer vos chaussures. J'en peux plus. C'est la 15e fois que je passe ce stupide permis de conduire et ça fait 15 fois que je me plante. Je vais aller lui botter les fesses, moi, à ton âne jardin d'inspecteur. Et puis au fait, dites-moi, pourquoi c'est moi qui dois passer ce satané permis de conduire? Tu sais, gros, ce qui me concerne, j'ai les chevilles trop délicates pour conduire. Et moi, c'est mes pieds qui sont bien trop larges. Si je veux appuyer sur le frein, à tous les coups, j'enfonce aussi l'accélérateur. Et surtout, t'es le seul qui connaît le chemin pour aller au supermarché. Candy, tu dois apprendre à garder en toutes circonstances le contrôle de toi-même et de tes émotions. Il faut que tu saches faire le vide pour accéder à la paix intérieure. En fait, ce dont tu as besoin, c'est d'un bon entraînement psychologique. Le morphing va bientôt commencer. Ce truc de la déformation, ça me fait toujours autant marrer. Bon, passons la phase 2. Le feu est vert. Est-ce que tu fonces ou est-ce que tu stops? Je fonce. C'est excellent. Maintenant, on accélère. Une petite seconde, je règle sur les oranges. Regarde, le feu est rouge. A, je m'arrête. Ou B, je passe. Arrête! Splendide, tu sais tout ce qu'il faut pour nous réussir cet examen. Je voulais dire, arrête la machine. À droite. Et si nous faisions un petit créneau pour voir? C'est bon, en route. Tournez à droite. Pas là, je peux pas, c'est truite en sens interdit. Faites demi-tour. Le code de la route m'interdit de franchir cette jolie ligne continue. Un 16e certificat d'échec pour votre collection.
Ouah ! J'y crois pas, je l'ai raté encore une fois. Malheureusement, mes techniques de relaxation ont échoué. Moi, je connais un truc super. C'est de la méditation transcendantalienne. Est-ce que tu sens comme l'univers est ton ami et comme l'examinateur t'aime beaucoup? Ton esprit est tout tout calme. Où sent le monde et puis quand dit les voitures qui forment un tout serein. Vraiment très pittoresque ces rites préhistoriques. Et c'est que l'échauffement, tu vas voir quand ils vont se lancer. Tu sens comme les bonnes énergies circulent, comme le cosmos veut que tu aies ton permis de conduire. Tu peux obtenir tout ce que tu désires. Regardez, monsieur le directeur, sans les mains. Yaha! Je vous aime, mon frère. Il a dit qu'aussi longtemps que ce serait lui qui ferait passer l'examen, j'aurais jamais mon permis de conduire. Oui, ben je crois qu'il est temps que j'ai une petite conversation avec cette tête de bigorneau d'inspecteur. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Figurez-vous que 60% des humains utilisent la technique du piston pour obtenir leur permis de conduire. Moi, je dis que derrière cette histoire de permis, c'est la mafia qui tire les ficelles dans l'ombre. Ils parlent des inspecteurs. Ils suggèrent de leur graisser la patte. De beurrer la magoutie. Ça veut dire qu'on peut l'acheter en lui donnant les sous. On l'invite chez nous, on le reçoit comme un roi, nous sympathisons, et en remerciement, il donnera sans rechigner son permis à Candy. Bien sûr, la voilà la solution. C'est à nous. Alors, on n'a toujours pas décroché son permis. À ce propos, monsieur l'inspecteur, merci d'être passé nous voir. Acceptez ce modeste présent juste pour vous souhaiter la bienvenue. Ah, c'est fou, comme vous ressemblez au portrait tellement flatteur que ma fille a brossé de votre personnalité. Nous sommes tous muets d'admiration devant votre connaissance et votre amour du code de la route. Savez-vous que dans notre famille, nous sommes tous titulaires du permis depuis plus de 50 générations? Et d'ailleurs, le rêve de notre fille est de posséder elle-même ce sésame qui ferait d'elle plus qu'une femme, une automobiliste à part entière. Et même quand elle était petite, elle refusait de jouer à la poupée. Elle préférait les autos miniatures. Bonjour, une fille ne peut s'épanouir que si elle a les moyens de se rendre au supermarché pour faire un bras de shopping. Ça a été un plaisir de vous recevoir, cher inspecteur du permis de conduire. Et bien sûr, n'hésitez surtout pas à revenir car notre maison est votre foyer. Vous êtes toujours le bienvenu. À bientôt, sans faute. Hein? C'est le plus beau jour de ma vie. On ne m'avait jamais traité d'une telle façon. C'est plutôt comme un gnome hargneux et vindicatif qu'on me traitait. D'habitude, les gens ne m'apprécient guère parce que, voyez-vous, je suis un examinateur extrêmement strict, sévère et méticuleux. Eh bien, ici, nous vous aimons. Et ma fille pense que vous êtes un super inspecteur. Voilà! C'est comme si ce permis de conduire était déjà dans ta poche. Ouais! Je l'ai!
encore raté. Je n'y comprends plus rien. Nous avons utilisé l'antique et infaillible technique du piston. L'inspecteur d'avant n'est plus là. Il a été remplacé par un autre et il est encore plus méchant. Salut, mes amis. Je passais pour vous remercier de votre gentillesse à mon égard. Parce que, avant de vous avoir rencontré, je menais une vie minable et vide. Les femmes trouvaient mon haleine fétide, les gens me fuyaient et je n'avais pas d'amis. Mais maintenant, c'est fini. Enfin, j'ai quitté ce sale boulot. Et j'ai des amis sincères comme vous. Et grâce à votre bonté, j'ai assez d'argent pour prendre ma retraite. Oh, je vous aime. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, nous sommes voisins depuis ce matin. J'ai emménagé à côté de vous et nous pourrons nous rendre visite quotidiennement. Hey, c'est censé être moi, cette blonde. Oui, enfin, pas tout à fait. C'est toi sans tes émotions. Ceci est un cyborg. C'est lui qui va passer leur permis de conduire pour toi. Oh, oh, on dirait que mon permis de conduire est en train de sonner à la porte. Lettre recommandée. Signature. C'est une lettre de mon cyborg. Charlotte, non, merci de m'avoir créé. Merci d'avoir fait en sorte que je puisse conduire une voiture en toute légalité. Grâce à toi, je suis parti à la découverte des grands espaces. Ok, oublions cette histoire de voiture. Qui va faire les courses au supermarché? Pas moi, j'y suis allé la semaine dernière. Et alors? Mais c'est à 15 km d'ici à pied. Eh ben, t'as qu'à repasser ton permis de conduire. Candy, calme-toi, fais le vide. Le Cancrala, la plus fabuleuse de toutes les créatures terrestres. L'homme croit être le maître de la Terre, mais malgré tous les efforts qu'il a déployés, il n'a jamais réussi à supprimer l'indestructible Cucaracha. Ah. Impressionnant. Deux jours de travail auront suffi. Un être humain aurait eu besoin de semaines, voire de mois, pour apprendre ces quelques tours. Lorsque l'homme aura disparu comme le dinosaure, le Cancrala régnera sur la Terre. Septième trouble dans l'appareil. Tu vas tout de suite arrêter ce jeu stupide et dangereux. Tu vas finir par tuer quelqu'un. C'est une perte de temps inconcevable. Cogné sur une balle avec une canne tenue à l'envers. Encore un exemple de la profonde débilité de l'espèce humaine. Ah, ça, tu peux me croire. Tu ne verras jamais un Cancrala jouer au golf. Ah, détends-toi. Le golf est une philosophie. En fait, c'est très zen. Le moyen de s'élever jusqu'aux plus hautes sphères de la spiritualité. Grâce au golf, tout le monde peut atteindre le nirvana. Oh. Stupid footers. Mauvais karma. Ethno travaille beaucoup trop dur. Il dégage de super mauvaises vibrations. Souris, vieux. Relax. Ouais, cool. Chant.
karma. Ethno. Téléphonez au 18, il faut téléphoner au 18. Ethno, parle-moi, tu as quelque chance. Je voulais pas te faire de mal, je te jure. Mais c'est à cause du golf. J'en étais devenu dingue. Je pouvais plus m'arrêter. Oh, salut, Ethno. C'est chouette de te revoir. Revoir? Oh, tu as été dans un profond coma pendant 60 ans et un jour. Mais rassure-toi, je suis toujours resté à tes côtés pour prendre soin de toi. Pour veiller sur toi, te protéger du danger. Ah, j'ai veillé sur toi comme sur mon propre fils. Mais Bad, où sont les autres? Candy, Stereo, Gorgeous. Ils nous ont quittés. Ils sont tous au paradis des porteurs, là-haut dans le ciel. Il ne reste que moi ici-bas pour entretenir le terrain de golf et servir de porteur au maître. Au maître? Où est-ce moi? Rien de porteur. Oh, les voilà. Faut nous cacher. Bad, qui sont les maîtres? Tu te souviens des cancrelats que tu élevais dans ton laboratoire? J'avais trop bien travaillé. Ils étaient devenus trop intelligents. Après l'accident, ils se sont organisés et ont formé une nouvelle génération de cancrelats super développés et ont pris le contrôle de la Terre et ont fait régresser les humains au rang de la vermine. Tu devras faire le porteur si tu veux avoir une chance de survie. Faire le porteur? Oh oui, absolument. Mais n'oublie pas une chose. Quoi qu'il arrive, Ethno, on ne les regarde jamais dans les yeux. Tu veux ma photo, raclure? Vous, qu'est-ce que vous attendez? Ramassez-moi ces œufs. Ces porteurs sont les pires feignants que j'ai jamais vus. Socle. C'est idiot, maître. Comment dire? On n'a plus de socle. Hein? Toi, viens ici. Voilà. Bad, non, tu n'as pas à faire ça. Tu es un être libre et indépendant. Tu as des droits. Ne les laisse pas te traiter comme un esclave. Allez, allonge-toi.
porteur. Voilà. Non, Bad, non, je t'en conjure. Bad, ton doigt, oh toi, tu... Pourriture, tu n'es qu'un sale cafard, un brut sans cervelle. Je t'aurai, sale étincelle, je t'aurai. Bad, Candy, Gorgeous, Stereo, vous êtes vivant. Toi aussi, et c'est moi qui t'ai sauvé. Menteur, et je lui ai fait le bouche à bouche, c'est moi qui l'ai sauvé. Menteur, je l'ai sauvé. Sauvé, tu es sauvé. Oh, que les grandes constellations de la vieille qui m'ouvre soient louées. Je le jure, je ne jouerai plus jamais au golf. Non, Bad, je te suis très reconnaissant de m'avoir mis un peu de plomb dans la cervelle. Écoutez-moi, Cancrela. Vous allez me débarrasser le plancher. Je ne veux plus voir un seul d'entre vous dehors. Mon Dieu, il y a à peine 10 minutes, il nous vénérait comme des dieux et maintenant il nous vire. Dehors! On reviendra, espèce de tête de clown. Et ce jour-là, on verra qui c'est qui donnera des ordres. Dehors! C'est dingue! Qui aurait cru que le golf soit un sport aussi dangereux? Oh, je pense que je vais me mettre au water-polo dès maintenant! Allô, ici le commissariat, officier Kropke à l'appareil. Allô, ici le commissariat, officier Kropke à l'appareil. Ah, un meurtre! Allô, donnez-moi la police, vite! Allô, ici le commissariat, officier Kropke à l'appareil. Allô, c'est affreux, c'est horrible, c'est... Oui, c'est bien la police, continuez. Oui, je voudrais une pizza aux anchois, caramel mou et pistache. Et là, pas si vite. Comment ça se fait que ça soit allumé dans cette maison à louer? Ça fait des mois qu'il n'y a personne dans cette baraque. Il se passe des choses pas très catholiques. Quoi? Deux têtes? Mais c'est impossible! J'ai dû manger quelque chose d'indigeste. Il y a un truc là. Grâce à cet engin, je vais pouvoir leur compter un à un les poils du nez. C'est inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, quelle horreur! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? C'est répugnant! Oh,
Jésus, Marie, Joseph, mais ce ne sont pas des humains, ce sont des extraterrestres. Dépêche-toi de décrocher ce téléphone. Allô, ici le commissariat. Ramenez-vous tout de suite. Nous sommes envahis par des hordes d'extraterrestres carnivores. Ils ont fait pousser une banane plus grosse qu'un éléphant. Venez vite et pourrez-vous un paquet de munitions. Uh-oh, des conducteurs de bus en colère. Vite, à la SMTV. Génial! Les extraterrestres ne passeront pas. Il va y avoir de la purée de martiens sur les murs. Inutile de résister, bande de démons de l'espace. Sortez avec les tentacules au-dessus de vos têtes et rendez-vous à la police. Oh, regardez les filles! Ce sont nos braves garçons de la police! Oh, grâce à leur protection, nous allons vers un monde meilleur. Mesdames, je suis désolé de vous déranger. Un biscuit, mon grand. C'est le meilleur biscuit que j'ai jamais mangé. Encore toutes nos excuses pour ce dérangement, chère petite madame. Au revoir et bonne journée. Qui? Mais pourquoi est-ce qu'il l'applique ici? Non, 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 espèce d'andouille! Vous avez donc rien compris? Les extraterrestres sont dans la maison d'en face! Quelle bande d'abrutis! Mais qu'est-ce que vous attendez pour y aller? L'avenir de notre planète est entre vos mains! Vous feriez bien d'arrêter ces monstres avant qu'ils ne détruisent toute vie sur la planète! On dirait qu'il va falloir que je mouille ma chemise pour leur ramasser les preuves de ce que j'ai dit. Et alors là, il faudra bien qu'ils s'excusent. Regarde-moi cette poulette, Guy. Oi, 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 Robert, ça c'est de la volaille et de la première classe. Je ne compterai que sur moi-même cette fois. Je suis un vrai génie. Cette perceuse turbo-nucléaire devrait faire l'affaire. Et ce serait pas à vous, ça? C'est du fromage que je sens. J'ai une de ces faim. Tampadum-padum-padum.
saleté de mouche. Le commissariat? Oui, l'officier Kropke. Oui, j'ai des preuves. J'ai toute une série de photos qui prouvent l'existence d'une vie extraterrestre sur Terre. Vous n'oubliez pas ma récompense, eh? Il y a pas mal d'extraterrestres qui vont regretter d'être venus. Ils sont là-dedans! Soyez sans merci! Ouvrez le feu et interrogez-les ensuite! D'accord, Gaillard, votre compte est bon. Ah, excusez-moi, mais apparemment il y a un petit malentendu. Nous ne voulions pas faire peur à qui que ce soit. Nous ne sommes que des acteurs. Ce sont seulement les costumes de notre film. Jupiter contre-attaque, que nous allons bientôt tourner. Toi, tu sais, tu vas morfler. Ça ne m'étonnerait pas que ce gars-là soit un extraterrestre.